Salut tout le monde, c'est Mauno, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Ces derniers temps, je me balade régulièrement sur Facebook pour voir s'il y a des informations sur les clowns. Et là, je suis tombé sur un profil Facebook, ou plutôt une page qui a énormément de j'aime. Cette page a 43 000 j'aime et c'est une page de clowns. Mais cette page est gérée par une seule personne et c'est un clown terrifiant. Pour moi, à mes yeux, après tout ce que j'ai vu sur les clowns, c'est le pire des clowns tueurs. Lui, je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais c'est vraiment un fou. Donc avant de vous montrer son contenu, âme sensible s'abstenir, ça veut dire que si vous avez vraiment peur de tout ça, ne regardez pas. Je vais directement vous montrer ça et je vous ai prévenu, âme sensible s'abstenir. Allez, c'est parti, je vais directement défiler le profil et on va voir ce qu'il y a dessus. Alors déjà, il s'appelle Boss Clown et il a mis une publication le 11 octobre. Aucune répercussion pour la petite attaque de dimanche soir, quelle bonne nouvelle, on dirait que beaucoup d'entre vous sont motivés pour cette année. Nous serons une nouvelle fois de la partie pour Halloween dans le Nord, mais sachez que beaucoup d'autres clowns seront également présents partout ailleurs. Rejoignez-nous sur Snap pour du contenu exclusif The Boss Clown. Alors on va directement regarder la petite vidéo qu'il a faite. Alors je pense que ça va faire peur. Alors on va directement regarder sa vidéo qu'il a faite, c'est parti. What? Ah! Il s'est coupé la langue! Alors comme je vous ai dit, c'est le clown qui m'a fait le plus peur. Ce clown-là, pour moi, c'est le pire des clowns tueurs. À la place des yeux, il a des dents et tout, c'est vraiment un truc de fou. Et il symbolise vraiment le mal, car juste pour une petite vidéo, il s'est coupé la langue. Et en plus, il a Chucky à côté de lui, c'est un truc de ouf. On va voir ce qu'il y a d'autre sur son profil. Et là, il montre une attaque de clown, donc on va regarder ça. Wow. Une autre vidéo où on voit encore ce clown, donc on va regarder ça. What the fuck? Il est vraiment pas bien dans sa tête, lui. Et le pire dans tout ça, c'est que là, on va regarder la vidéo la plus longue de son mur, donc la plus longue de sa page. Il a fait une vidéo présentation. C'est pas vraiment une vidéo présentation, mais c'est une vidéo pour dire qu'il arrive, qu'ils vont tuer des gens, etc. Donc on va regarder ça. Ah ouais, c'est toujours le même clown, donc c'est lui. Boss Clown arrive pour Halloween. Dans vos rues. Oh le sang. Wow. Wow. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est toujours le même clown, c'est pas un fake du tout. Mais c'est lui! Boss Clown is back. Ok, donc on va s'arrêter là. Et comme vous pouvez voir, c'est toujours le même clown. Donc c'est lui qui gère tout. C'est celui-là qui attaque les gens. Pour moi, les gars, c'est le pire des clowns tueurs. À mes yeux, c'est celui qui me fait le plus peur. Dites-moi quelle serait votre réaction si vous voyez ce clown en face de vous. Si vous voulez que je fasse des recherches plus approfondies pour les clowns sur Facebook, mettez hashtag clown en commentaire. Si je vois vraiment que vous mettez hashtag clown dans les commentaires et que vous voulez vraiment une autre vidéo là-dessus, je vous en ferai une autre. Mais cette fois-ci, on va étudier un autre cas de clown qui cette fois-ci fera vraiment peur. C'est donc la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Mauno, allez, ciao!